2024, la salle de bain se réinvente avec une tendance qui séduit de plus en plus, le bois. Élégant et chaleureux, ce matériau naturel transforme cet espace intime en un véritable havre de paix. Les designers rivalisent d'ingéniosité pour intégrer le bois sous toutes ses formes, des meubles aux revêtements muraux, créant ainsi des ambiances à la fois modernes et authentiques. Découvrez comment cette tendance s'impose dans les intérieurs contemporains et pourquoi elle fait craquer tant de personnes cette année. Plongez dans l'univers apaisant du bois et laissez-vous inspirer par ses idées déco irrésistibles. Le retour du bois dans la salle de bain. Autrefois écarté des pièces d'eau, le bois fait un retour en force dans les salles de bain contemporaines. Ce matériau noble, aux teintes variées, insuffle une chaleur et un cachet indéniable à l'espace, créant une atmosphère cosy et réconfortante. Les avancées technologiques permettent désormais d'utiliser des essences de bois résistantes à l'humidité, comme le teak ou l'iroko, garantissant durabilité et esthétisme. En plus de ses qualités fonctionnelles, le bois apporte une touche naturelle et élégante qui transforme la salle de bain en un véritable havre de paix. Découvrez comment intégrer ce matériau intemporel dans votre décoration pour une ambiance zen et apaisante. Choix de l'essence de bois. Pour une salle de bain durable, les bois exotiques comme le teak et le wenge sont des choix privilégiés. Ces essences imputrescibles résistent remarquablement à l'humidité, conservant leur qualité et leur couleur naturelle au fil du temps. Leurs teintes variées, allant du brun rouge au doré, apportent une touche zen et dépaysante à la pièce. En parallèle, les bois européens tels que le chêne ou le pin maritime peuvent également être utilisés grâce à des traitements hydrofuges. Ces bois clairs se marient harmonieusement avec des tons pastels, créant une ambiance lumineuse et naturelle. Les bois foncés, comme le noyer, ajoutent quant à eux une note d'élégance et de chaleur. Utilisation du bois au sol et sur les murs. Pour le sol de la salle de bain, privilégiez un parquet collé plutôt qu'un parquet flottant afin d'éviter les infiltrations d'eau. Optez pour des essences adaptées aux environnements humides, comme le teak ou l'ipé. Pour garantir la longévité du revêtement, appliquez régulièrement une huile de lin ou procédez à une vitrification. Concernant les murs, l'installation de lambris nécessite un espace entre le mur et le bois pour permettre la circulation de l'air, évitant ainsi moisissures et déformations. Les finitions à base de cire, d'huile ou de saturateur sont essentielles, tout comme un entretien régulier pour préserver l'esthétique et la durabilité du bois.